Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Tourne-toi vers le soleil, l'homme sera derrière toi. Les gens se sentent seuls, car ils construisent des murs au lieu de construire des ponts. Écoutez, je vous remercie hein, d'être venus nombreuses et nombreux à cet événement. Hein. Je vais simplement vous donner le déroulé de ce festival Sulstirain. Alors nous aurons une projection d'un film, une comédie dramatique intitulée Bienvenue, comédie dramatique norvégienne, voilà, qui échange sur notamment la condition de l'accueil des migrants en Norvège. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié. Vous avez 5-10 minutes pour vous restaurer, vous rafraîchir, et on passera effectivement au débat avec monsieur. Et monsieur Guibert. Ce soir, on va discuter des migrations et des réfugiés. Et il y a beaucoup de choses à dire sur les questions européennes à ce sujet. Et surtout se poser la question de, finalement, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ça pose tellement de problèmes? Pourquoi est-ce que, je ne dis pas pourquoi est-ce que c'est un problème, pourquoi est-ce que ça pose tellement de problèmes? Qu'est-ce qui fait que l'arrivée d'hommes, de femmes et d'enfants qui fuient la misère, qui fuient la guerre, qui fuient toute catastrophe qui peut se passer chez eux, pose tellement de questions? Pourquoi est-ce que c'est devenu un tel sujet de crispation au point que, quand on en parle, on parle de crise des migrations, ou d'afflux, ou de flux, ou d'invasion pour les pires, mais surtout, le terme officiel est en crise des migrations, qu'est-ce que représente ces trois mots, crise des migrations? En fait, si on étudie bien, il ne s'agit pas d'une crise des migrations. Il s'agit d'une crise de l'accueil des migrants et des réfugiés. Là, ça devient un sujet politique intéressant. Parce que si on dit crise des migrations ou crise des réfugiés, on renvoie cette question-là à la responsabilité individuelle des migrants ou des réfugiés qui viennent en leur disant « Vous nous mettez en crise ». C'est vous, parce que vous arrivez, qui nous mettez en crise. Alors que la vraie réalité, c'est vous êtes obligés de partir de chez vous pour des questions de misère, de développement, de guerre, de massacre, de discrimination, de crime, de viol, de tout ce que vous voulez. Je viens d'en dire un certain nombre qui explique pourquoi les gens partent. Ce que je crois, ce que peuvent permettre des discussions comme celle-là, c'est éventuellement de solidifier les gens dans leur proposition d'accueil, de leur donner des instruments théoriques pour expliquer aux autres personnes qui vont être présentes pourquoi il faut accueillir les migrants et les réfugiés. Donc, je pense que si j'ai réussi ça, à savoir de donner des petites bases théoriques plus générales sur les migrations et les migrants, ben j'aurais réussi.